D'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran avec le diaporama. Voilà, je pense que qu'à présent ça va être bon. C'est parfait. Je vais le mettre en plein écran. Voilà, je pense que vous devez le voir. Donc, j'ai préparé effectivement un petit support pour peut-être vous rafraîchir la mémoire sur les éléments qui étaient évoqués dans ce MOOC autour de l'initiative 4 pour 1000 et des Outre-mer et comment cette initiative pouvait contribuer à la fois aux enjeux locaux, mais aussi aux objectifs de développement durable et plus particulièrement certains de ces objectifs. Donc, ça sera peut-être quelques rappels, mais je reviens sur ces éléments. Alors, cette infographie, juste pour faire écho avec l'actualité, en tout cas l'actualité métropolitaine, je ne sais pas ce qu'il en est dans vos territoires actuellement. Je sais qu'en Guyane, il y a une saison des pluies particulièrement marquée. Donc, cette infographie, c'était juste pour interroger sur la situation que l'on connaît désormais, sur les effets du changement climatique, en particulier l'augmentation des températures, notamment en ce moment sur le territoire métropolitain, et en s'interrogeant sur les leviers dont on dispose pour pouvoir lutter, s'adapter à ces effets du changement climatique qui vont perdurer, c'est une évidence. Et donc, s'interroger en se disant que peut-être, parmi les alliés qu'on avait de notre côté, il y avait les éléments de la nature et plus particulièrement le sol. Le sol, alors j'aime beaucoup cette illustration qui vient d'un collègue qui nous a quittés il y a malheureusement quelques temps, Jérôme Balédan, chercheur à INRAE, et qui est un des instigateurs en fait, de cette idée justement de l'initiative 4 pour 1000, sur laquelle je vais revenir. Et donc en se disant que peut-être les sols, voilà, pouvaient être un allié pour lutter à ces effets négatifs du changement climatique. Alors, je reviens donc sur quelques éléments qui ont été présentés dans le MOOC, sur l'origine de ce chiffre, de ce 4 pour 1000, d'où ça vient. Donc, ce terme de 4 pour 1000 vient en fait de lorsque l'on fait la comparaison entre les émissions d'origine anthropique de CO2 issues des combustibles fossiles, qui sont de l'ordre de 9 à 10 gigatonnes de carbone par an, qui sont émises, relarguées dans l'atmosphère, et que l'on compare au stock de carbone qui existe dans les sols à l'échelle de la planète, sur environ les 2 premiers mètres de profondeur. On estime qu'il y a environ 2 400 gigatonnes de carbone dans ces sols à l'échelle planétaire. Et donc, simplement, lorsque l'on fait le ratio, la division des émissions annuelles par les stocks de carbone présents dans les sols, on tombe sur ce chiffre de 4 pour 1000, qui nous fait dire que si l'on parvenait à augmenter tous les ans de 4 pour 1000 les stocks de carbone dans les sols, on parviendrait virtuellement, en tout cas à travers ce simple calcul, à compenser l'intégralité de ces émissions issues des combustibles fossiles, ces émissions de gaz à effet de serre issues des combustibles fossiles. Ce calcul, c'est celui-ci donc, qui a été fait ben, justement, mis en avant par des collègues comme Jérôme Balédan dans les années 90, fin des années 90, donc il y a déjà un certain nombre d'années, et qui a pris, je dirais, sa concrétisation politique au moment de la conférence sur le climat à Paris en 2015, sous la forme de l'initiative 4 pour 1000. L'initiative 4 pour 1000, elle a 3 objectifs. Elle a de contribuer à l'augmentation des stocks de carbone dans les sols à l'échelle planétaire pour, d'une part, atténuer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, donc la compensation, mais aussi de s'adapter aux effets du changement climatique et enfin de contribuer également à la sécurité alimentaire, car vous le verrez après, il y a un lien très fort entre cette présence de carbone organique dans les sols et la fertilité des sols. Donc, ces 3 objectifs pour cette initiative 4 pour 1000. Alors, comment parvenir à augmenter ou maintenir les stocks de carbone dans les sols? Ça repose essentiellement, et je dirais même uniquement en premier lieu, sur la photosynthèse. La photosynthèse, qui est un mécanisme donc, que vous connaissez évidemment, qui consiste à capter le CO2 atmosphérique, à combiner ce CO2 atmosphérique avec la lumière et de l'eau, et
à produire en fait de la matière organique riche en carbone, à peu près 60% de carbone dans cette matière organique et qui va être incorporée dans les sols. Donc tout l'enjeu est d'arriver à quelque part utiliser au mieux ce mécanisme naturel qu'est la photosynthèse pour maintenir ou accroître les stocks de carbone dans les sols. Alors, cette initiative 4 pour 1000, à travers ses trois objectifs d'atténuation, d'adaptation, de sécurité alimentaire, va contribuer très directement à quatre objectifs du développement durable définis par les Nations Unies, qui est celui donc de la faim dans le monde, de contribuer à éliminer la faim dans le monde, également de contribuer à une consommation responsable à travers notamment le recyclage des matières organiques en particulier, évidemment à contribuer à la lutte contre le changement climatique et de contribuer également à la vie sur Terre, puisqu'il y a de fortes synergies en fait, entre le maintien, l'augmentation de carbone organique dans les sols et, par exemple, le maintien de la biodiversité, que ce soit de la biodiversité dans les sols en particulier, mais aussi de la biodiversité au niveau aérien, de la surface terrestre en fait. Alors, de manière très schématique, il existe deux grands leviers, on va dire, pour parvenir à maintenir ou augmenter ces stocks de carbone dans les sols. Le premier levier, c'est d'augmenter les apports de carbone dans le sol en utilisant à plein la photosynthèse. Et puis l'autre levier, les deux pouvant être combinés évidemment, ça va être de réduire ces pertes de carbone dans les sols. Quelques exemples de pratiques ou d'actions pour augmenter le carbone, les apports de carbone dans les sols. On peut penser à l'agroforesterie, donc c'est-à-dire l'implantation d'espèces ligneuses dans des champs, par exemple. La gestion des pâturages et des zones de parcours en maintenant des prairies permanentes. Également l'apport de fertilisants organiques, le recyclage de la matière organique en substitution en particulier de fertilisants de synthèse. L'agriculture de conservation qui consiste en un triptyque avec un couvert permanent des sols, une rotation des cultures et un travail limité, voire totalement réduit en fait, du sol. Et puis sur le volet plutôt de la réduction des pertes de carbone, on peut penser à la gestion des feux pour limiter la probabilité en fait, d'occurrence de feu. Donc ça va être particulièrement important dans des territoires ultramarins particulièrement sensibles à cet aléa feu. Alors je pense à la Nouvelle-Calédonie que je connais bien, mais je pense qu'il y a d'autres territoires, Mayotte en particulier, où c'est également un aléa important. Le contrôle de l'érosion qui va être également un levier important, et voilà, typiquement sur des territoires comme Mayotte, ça va être un levier intéressant. Ou la limitation du travail du sol, qui rejoint donc le levier de l'agriculture de conservation que je mentionnais juste avant. Limitation du travail du sol particulièrement importante dans des territoires qui connaissent des niveaux de pluviosité particulièrement élevés lors de la saison des pluies. Voilà, pour quelques exemples. Donc ça, c'est des éléments qui ont été présentés dans le MOOC. Donc c'est, je pense, des rappels pour la plupart d'entre vous. Et maintenant, je voulais profiter de cette opportunité. Et d'ailleurs, il y avait cette invitation dans mon intervention lors du MOOC à vous donner quelques éléments de résultats autour d'un travail que l'on mène sur les territoires ultramarins français dans le cadre d'une étude donc, qui s'appelle l'étude 4 pour 1000 Outre-mer que l'on mène donc, avec des collègues du CIRAD, mais aussi avec des collègues de l'INRAE et de l'IRD. Et c'est une étude qui est commanditée par l'ADEME et qui est à un peu plus de la moitié aujourd'hui de sa réalisation. Donc je vais vous présenter, déjà je vous invite à aller sur le site internet dont vous avez le lien ici et que vous pourrez retrouver dans l'enregistrement. Mais donc je vais de manière très succincte en fait vous présenter les principaux résultats que l'on a aujourd'hui sur ces territoires ultramarins. Alors déjà vous dire que cette étude elle concerne les cinq départements d'outre-mer français, donc qui sont donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, mais aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Par contre, vous noterez que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, par exemple, ne sont pas dans le périmètre de cette étude.
L'ambition et l'objectif de ce travail que l'on mène, hein, c'est de partager les connaissances existantes sur ces différents territoires ultramarins autour de la séquestration du carbone dans les sols. Parce qu'on est convaincu qu'il y a évidemment des connaissances et qu'il y a un intérêt fort à mettre en relation ces connaissances entre les différents territoires pour les partager, pour partager des expériences en fait qu'il peut y avoir sur ces différents territoires. Et la cible, je dirais, de ce travail que l'on mène, c'est avant tout les acteurs agricoles, forestiers de ces différents territoires ultramarins, parce qu'on a l'ambition de pouvoir identifier notamment des pratiques agricoles, forestières qui ont des impacts positifs sur les stocks de carbone dans les sols. Alors, en termes de résultats, je vais vous présenter tout d'abord ce que l'on sait sur les stocks de carbone dans les sols de ces différents territoires ultramarins. Après, je viendrai sur l'effet des changements d'usage des terres. Et enfin, je vous montrerai les résultats sur l'effet des pratiques agricoles forestières sur les stocks de carbone dans les sols et puis les perspectives. Alors, en termes de stocks de carbone dans les sols sur ces différents territoires ultramarins, on peut retenir plusieurs choses. Là, vous avez les différents territoires dans la colonne de gauche auxquels on s'intéresse. Pour mémoire, la superficie de ces différents territoires. Cette colonne au milieu qui représente donc les stocks de carbone dans les sols sur l'horizon 0,30 cm la plupart du temps, sauf pour la Guyane où c'est jusqu'à 1 mètre. Et pour information, le nombre de points de mesure dont on dispose sur ces territoires. On peut retenir plusieurs choses. Tout d'abord, on peut retenir qu'il y a des territoires pour lesquels on dispose à ce jour d'aucune information. C'est le cas de Mayotte, par exemple. C'est le cas de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pour lesquels il n'y a pas de données à notre connaissance sur l'état des stocks de carbone dans ces territoires. En revanche, pour des territoires comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, là, il y a de la connaissance, il y a des données disponibles qui sont complètes ou parcellaires. Si on prend l'exemple de la Guadeloupe, par exemple, il y a des connaissances sur ce territoire-là, mais à ce jour, il n'y a jamais eu de calcul réalisé pour évaluer l'état des stocks sur ce territoire-là, bien qu'il y ait plus de 1000 points de mesure en fait, sur l'ensemble du territoire. Donc, il serait possible de le faire, mais ça n'a pas été calculé. À la Martinique, en revanche, ce calcul a été fait. Voilà, on aboutit à un chiffre de 6,5 millions de tonnes de carbone. Ça ne vous parlera peut-être pas beaucoup, mais juste à titre de comparaison, sur la France métropolitaine, alors évidemment, on est sur une superficie qui est bien plus importante, mais il a été évalué que les stocks de carbone au niveau de la métropole étaient de l'ordre de 3 600 millions de tonnes de carbone sur l'ensemble du territoire métropolitain. En Guyane, qui est de loin le territoire ultramarin le plus vaste, avec quasiment 84 000 km², sans surprise, on va retrouver en cumul les stocks les plus importants, entre 600 et 900, grosso modo, millions de tonnes de carbone dans les sols du territoire guyanais. En mettant en comparaison avec la métropole, ça représente tout de même 15% à peu près des stocks de carbone, l'équivalent de 15% des stocks de carbone de la métropole. Donc, c'est loin d'être négligeable, alors que la superficie de la Guyane est inférieure à 15% en fait du territoire français. Donc, on a des stocks qui sont particulièrement important évidemment sur la Guyane et qui sont loin d'être négligeables sur les autres territoires. Quand vous verrez après, quand on ramène ça en fait à un hectare de surface de ces territoires, on a des teneurs bien plus élevées en fait à l'hectare que ce que l'on va trouver en métropole, de l'ordre de 50% plus élevé grosso modo que ce que l'on trouve pour l'équivalent d'un hectare en métropole. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est un déficit de connaissances et pour les territoires que l'on connaît, des stocks qui sont globalement élevés et en tout cas qui représentent une part significative des stocks de la France. Donc, vous avez, voilà, avec ces illustrations, les cartes existantes hein, sur ces différents territoires et vous remarquerez par exemple qu'à La Réunion, qui est ici en bas à droite,
Bon, il y a des grandes zones de blanc, parce qu'en fait, ces stocks ont été évalués uniquement à ce jour sur la surface agricole utile, en fait. Donc les zones de forêt en particulier n'ont pas été investiguées et on ne connaît pas l'état des stocks dans les zones de forêt de la Réunion. Alors évidemment, il y a les zones de volcans, etc. aussi qui sont dans ces zones blanches. Maintenant, si on s'intéresse à comprendre quels sont les différents déterminants en fait, de ces stocks au niveau des territoires, ce qui est résumé dans ce tableau-là. Alors évidemment, puisque sur Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, je vous ai dit, on n'a pas d'informations sur les stocks, on n'a évidemment pas d'informations sur quels sont les déterminants, les facteurs qui vont influencer ces stocks. En revanche, sur les autres territoires, on a soit des informations qui sont bien clair, j'aurais envie de dire, soit des faisceaux d'indices sur quels sont les paramètres qui vont avoir une influence majeure en fait sur les stocks de carbone. Alors vous remarquerez hein, que pour les différents territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, on va retrouver à chaque fois le type de sol qui va avoir une influence importante sur les stocks de carbone dans les sols et en particulier la minéralogie des sols. C'est-à-dire, pour dire plus simplement, des sols volcaniques vont avoir des propriétés qui font que les stocks de carbone dans les sols vont être globalement plus élevés que dans d'autres types de sols. De la même manière, des sols qui vont être riches en argile ou riches en oxyde de fer, en oxyde d'aluminium, généralement vont avoir des teneurs en carbone plus élevées. A contrario, des sols plus sableux, très sableux, auront des teneurs en carbone dans les sols qui seront plus faibles. Parmi les autres paramètres qui vont jouer, il va y avoir l'usage des sols. Par usage des sols, on entend le fait d'avoir des terres forestières, d'avoir de l'agriculture, d'avoir des prairies, des zones, des terres urbanisées, etc., qui vont avoir un impact également sur ces stocks de carbone. Et puis également un effet important, et je pense en particulier sur des territoires comme les Antilles, comme la Réunion, où il y a également d'importants gradients d'altitude et gradients de pluviosité, et donc de fait aussi de température, qui vont avoir un impact majeur finalement sur ces stocks de carbone dans les sols. Grosso modo, plus on va aller en altitude, plus il va faire froid. Moins la minéralisation de cette matière organique va être rapide, et donc plus les stocks de carbone, généralement, dans les sols vont se maintenir et vont être élevés. D'autant que ça va souvent s'accompagner d'une pluviosité qui sera plus importante également avec l'altitude. Alors évidemment, tout dépend de la position du versant sur lequel on se trouve, mais c'est un peu des généralités qu'on va avoir. Donc finalement, dans ce tableau qui est très, très touffu avec plein de chiffres, etc., mais on arrive à avoir une idée assez claire, en tout cas pour un certain nombre d'usages des sols, de l'état des stocks dans les différents territoires ultramarins. Donc quand on regarde sous forêt, en mangrove, dans les prairies, les vergers, les plantations de canne à sucre, de bananes, etc., on se rend compte que dans la littérature, dans les travaux qui ont été faits, il y a de l'information sur les stocks de carbone pour ces différents usages. On notera quand même que y a beaucoup, oui, quand même relativement beaucoup de cases avec du rouge, ND, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'informations disponibles, et c'est le cas en particulier sur la Guyane, où vous remarquerez qu'il y a beaucoup de modes d'usage des terres pour lesquels on n'a pas d'informations à ce jour sur les stocks de carbone dans les sols. Je pense en particulier, voilà, juste pour en citer un, les abatis brûlis, qui pourtant est un mode d'agriculture très répandu, en particulier dans l'intérieur de la Guyane. Voilà, pour ce type d'usage des terres, on n'a aucune information à ce jour sur l'état des stocks de carbone. A contrario, sur des territoires comme la Réunion, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas d'informations sur les stocks de carbone sous forêt, alors que c'est un mode d'usage qui est assez important en termes de superficie. Pas d'informations pour les mangroves, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, par exemple. Alors qu'en Guyane, à contrario, il y a des travaux qui ont été menés et qui permettent d'évaluer les stocks de carbone sous mangrove. De manière générale, au-delà des chiffres, enfin en tout cas de manière très synthétique, on peut retenir qu'il y a une grande variabilité en fait suivant l'usage de ces stocks de carbone dans les sols, et finalement il faut plutôt raisonner en termes à la fois de sol mais aussi d'usage. Et on peut remarquer, alors si on revient sur le tableau et qu'on prend quelques minutes pour regarder plus précisément les chiffres, et que grosso modo il y a
quand même une tendance à avoir des stocks plus importants sous forêt que sous prairie, que sous canne à sucre et banane, que sous jachère. Et là où les stocks sont les plus faibles, c'est sous maraîchage. Alors, on me dirait pourquoi sous maraîchage? Ben, sous maraîchage, parce qu'en fait, on est sur des plantes avec des cycles courts qui sont récoltées plusieurs fois dans l'année, donc un export de matière organique important, plus généralement un travail du sol qui va être important, donc qui va également concourir à un export de matière organique, donc de carbone, et aussi à une minéralisation plus rapide généralement de cette matière organique. Et donc, comme je disais, des stocks peu ou mal connus pour un certain nombre d'usages quand même à ce jour sur les différents territoires ultramarins. Enfin, si on regarde pour suivant les différents types de sols, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais passer rapidement, mais donc une très grande variabilité suivant les types de sols. De toute façon, il y a une très grande diversité de types de sols sur les différents territoires ultramarins, et en particulier sur des territoires comme la Réunion ou la Guadeloupe ou la Martinique, du fait en particulier de l'histoire volcanique de ces territoires. Donc on a une pédogenèse particulièrement récente et avec des épisodes très, très divers. Mais globalement, il y a deux tendances. Ce que je disais, donc les sols volcaniques, donc qui peuvent être des endosols, où on va avoir des stocks qui peuvent être très élevés, jusqu'à 200 tonnes de carbone par hectare. À titre de comparaison, en métropole, on va avoir des stocks qui vont être aux alentours de 70 tonnes de carbone à l'hectare. Donc là, on est sur des valeurs trois fois plus élevées. Et pour ce qui est de la Guyane, on a d'autres types de sols. On va avoir des ferrales sols, donc des sols riches en oxyde de fer, particulièrement, ou d'aluminium. Et là, on va avoir des stocks également plus élevés, en tout cas supérieurs à 100 tonnes de carbone à l'hectare. Donc à chaque fois, des teneurs bien plus élevées que ce qu'on a l'habitude de trouver sur les territoires métropolitains. Alors, avant de conclure et de vous laisser la parole, des informations sur l'effet des changements d'usage des sols sur les stocks de carbone, et puis après, je viendrai sur les changements de pratique, en fait. Alors, sur les changements d'usage, juste pour vous dire que en termes de... Quand je parle de changement d'usage, c'est par exemple de la forêt qui va être convertie pour faire des prairies, pour faire du maraîchage, etc. Des zones agricoles qui vont être transformées pour l'urbanisation. Voilà, c'est ça quand je parle de changement d'usage. Donc on a 27 transitions comme ça qui sont renseignées en fait à partir des données, des connaissances existantes. Alors théoriquement, il pourrait y avoir une centaine de transitions comme ça qui pourraient être existantes. Bon, donc on se rend compte une nouvelle fois qu'il y a un besoin d'accroître en fait les connaissances pour évaluer l'effet de ces transitions-là, surtout dans des territoires où on connaît des changements d'usage des terres qui sont assez conséquents. Alors en Guyane, la surface agricole utile est en constante augmentation de manière assez importante. On pense aussi au fait qu'on a un territoire qui est principalement forestier, donc presque mécaniquement, j'aurais envie de dire, avec une croissance démographique telle qu'elle existe en Guyane, de manière inéluctable, ça induit des changements d'usage des terres et le plus souvent d'ailleurs une conversion de la forêt vers d'autres usages des terres. Donc c'est un point particulièrement important pour des territoires comme celui-ci. Mais c'est également vrai en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, où là c'est plutôt une stabilisation, voire une diminution de la surface agricole utile au profit de l'urbanisation, en fait. Donc ces dynamiques de changement d'usage des terres sont des dynamiques importantes dans les territoires ultramarins. Ce que l'on constate, en tout cas, en termes de sur les transitions qui sont documentées, c'est que lorsqu'il y a changement d'usage des terres, les variations de stock de carbone dans les sols sont importantes, c'est-à-dire elles sont au-delà de 10%, plus ou moins 10%, et généralement moins d'ailleurs. Ce qu'on constate, c'est que voilà, les conversions de forêts vers des cultures annuelles ou des cultures pérennes induisent une baisse de stock de carbone dans les sols. De la même manière, la conversion des cultures pérennes
Par culture pérenne, j'entends en particulier la banane, la canne à sucre, qui sont des cultures importantes en termes de superficie dans ces territoires, induisent une baisse de stock de carbone dans les sols quand on va vers du maraîchage ou de la production d'ananas. Et en fait, la seule conversion qui induit une augmentation de stock de carbone dans les sols, c'est lorsque l'on va vers des prairies permanentes. En fait. C'est le seul cas de figure, en tout cas documenté à ce jour, qui induit une hausse du stock de carbone dans les sols. Donc on est globalement plutôt vers un effet de perte de stock de carbone dans les sols pour la grande majorité des changements d'usage des terres. Quelques chiffres, je ne vais pas revenir dessus, mais ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller dans le rapport intermédiaire de l'étude qui est en ligne, qui est accessible sur le site de l'étude, mais pour vous illustrer en tout cas le type de résultats qu'on peut avoir, qui sont évidemment beaucoup plus détaillés que ce que je vous présente là de manière synthétique. Et enfin, donc, ce sera ma conclusion sur l'effet des pratiques à présent. Donc, pour vous dire que de la même manière, en fait, on a synthétisé, recensé toutes les informations disponibles. Et au final, il y a 16 changements de pratiques qui sont renseignés à travers des études qui ont été menées. Donc, encore une fois, ça met en exergue en tout cas le besoin de connaissances. Ce qu'on met en évidence, notamment, c'est que par exemple, pour ce qui est des pratiques forestières, et donc j'entends par pratiques forestières l'intensité de l'exploitation forestière, le fait de laisser ou pas ce qu'on appelle des rémanents d'exploitation, donc c'est-à-dire les branchages, le houppier, l'écorce, etc. en forêt, quel effet ça a sur les stocks de carbone dans les sols, ben en fait, on n'a pas d'informations. Et on peut se dire que c'est embêtant pour des territoires, encore une fois, très forestiers, où il y a de l'exploitation forestière, comme un territoire comme la Guyane. On a également très peu de données sur ce qui est de la gestion, l'effet de la gestion des résidus de culture. Ça pose plus particulièrement question dans des territoires insulaires où la question de l'accès et du recyclage des matières organiques est un élément particulièrement important, évidemment, en termes d'apport de fertilisants organiques pour l'agriculture. Or, on se rend compte qu'il y a assez peu de travaux en fait, qui ont été faits sur cette gestion des résidus de culture, ou également sur l'agroforesterie. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns. De la même manière que pour les changements d'usage des terres, on constate en tout cas que pour les changements de pratiques qui sont renseignés, lorsqu'il y a changement de pratique, il y a des variations importantes de stock de carbone, de plus ou moins 10%. Ce qui ressort quand même globalement, c'est que, et ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est que l'apport de matière organique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, a un effet positif sur les stocks de carbone dans les sols. A contrario, le travail du sol induit une baisse des stocks de carbone dans les sols. Ça, c'est les deux grandes conclusions qui ressortent pour le moment, en tout cas pour ce qui est de l'effet des pratiques. De la même manière, voilà le type de tableau détaillé que vous pourrez trouver dans le rapport de synthèse, suivant les différentes pratiques, que ce soit les résidus de culture, la fertilisation organique, la reforestation, et il y en a bien d'autres en fait qui sont comme ça documentés que je présente pas là. En guise de conclusion, ce que je pense on peut retenir, c'est qu'il y a une somme conséquente d'informations, en tout cas pour ce qui est des territoires comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, mais qui globalement est parcellaire et qui est inexistante pour certains territoires comme Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'autre information qui est vraiment importante à retenir, c'est que globalement, on a, pour ces territoires-là, une tendance à la baisse des stocks de carbone dans les sols au vu des tendances d'évolution d'occupation, que ce soit en particulier donc d'occupation des terres, et également de l'évolution des pratiques, et en particulier de l'évolution des pratiques vers la diversification des cultures. Donc ça, c'est une situation qui est particulièrement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais atypique, mais en tout cas qui est très différente, en tout cas de la tendance métropolitaine. Et donc l'enjeu sur ces territoires ultramarins, c'est quantifier, évaluer cette baisse des stocks dans les sols, mais aussi de voir les leviers existants, non pas pour augmenter ces stocks, mais peut-être pour freiner cette baisse
ou idéalement, peut-être, essayer de maintenir ces stocks de carbone dans les sols, en fait. Voilà, donc on est dans une configuration qui est très différente de la situation métropolitaine. Et c'est particulièrement important pour nous de sensibiliser également les pouvoirs publics, les collectivités locales, les organisations de producteurs, les chambres d'agriculture, etc., sur ces enjeux qui sont vraiment, encore une fois, spécifiques pour ces territoires ultramarins. Alors, vous allez me dire, là, j'ai présenté que des informations sur des résultats, on va dire, d'ordre biophysique, sur l'état des stocks. Pour information, il y a tout un travail qui est en cours sur des aspects plutôt politiques, économiques, également sociaux. Donc là, je n'ai pas de résultats à vous présenter, mais en tout cas, d'ici un petit peu moins d'un an, on aura aussi des résultats sur cette dimension socio, politique et économique pour pouvoir, je dirais, compléter cette photographie que l'on a menée pour le moment sur cette partie plutôt biologique. Si vous voulez aller plus loin, un certain nombre de liens, et ce diaporama, enfin, je le partagerai, et de toute façon, il sera disponible sur la vidéo, mais donc le site de l'étude 4 pour 1000 Outre-mer, plus d'autres liens que je vous ai mis vers des projets autres qui pourraient vous intéresser. Et mon contact également, si vous souhaitez me contacter, si vous avez d'autres questions, avec plaisir, en tout cas par mail, pour pouvoir y répondre au-delà de notre échange de tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Et j'arrête le Julien. partage. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, cette remise en contexte, ces ordres de grandeur également, et puis la relation entre cette question du carbone dans les sols, du stockage du carbone dans le sol et les pratiques d'occupation, d'utilisation de ces sols. Et on l'a bien compris, il n'y a pas que l'usage des sols, il y a les types de sols aussi. Enfin, c'est tout ça qu'il faut regarder. Alors, donc, les liens, voilà, les liens sont disponibles dans cet enregistrement. Je les mettrai bien sûr, je les associerai à cet enregistrement que je déposerai dès demain sur le cours, donc sur le MOOC. En attendant de relayer quelques questions qui, je suis sûr, ne vont pas tarder à arriver, il faut toujours un petit peu de temps entre le temps d'écoute et le temps de formulation des questions. Je vous rappelle que c'est dans l'onglet Discussion qui est sur votre droite. Julien, j'avais deux questions pour amorcer un petit peu tout ça. Première question, c'est un étonnement. Pourquoi les territoires ultramarins du Pacifique ne sont-ils pas concernés par l'étude? Donc, je pense à la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, par exemple. Et une deuxième question, aussi vraiment une curiosité, c'est quoi un point de mesure de carbone dans le sol? Qu'est-ce qu'on y fait en fait très concrètement? Voilà, pour peut-être amorcer un peu les échanges. Oui, merci, merci Vincent. Donc, en termes de périmètre, en fait, il y a plusieurs éléments à avoir en tête. Le premier, peut-être, de dire que ce travail que l'on mène, il s'inscrit dans un cadre un petit peu plus global, qui est la signature d'un accord cadre entre le secrétariat exécutif de Allô? l'initiative 4 pour 1000, le ministère des Outre-mer et nos trois organismes, CIRAD, INRAE, IRD, en 2020, et qui, dans le cadre de cet accord cadre, en fait, ciblait explicitement les territoires d'études que l'on a actuellement. Et la raison principale, en fait, je pense, du fait que des territoires comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie ou Wallis et Futuna ne sont pas dedans, c'est le statut, en fait, de ces territoires. On est avec des, on a enfin des territoires qui ont une certaine autonomie, que ce soit pour la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie, qui ont la compétence en termes d'agriculture, de développement agricole, d'environnement également, qui relève, alors pour la Calédonie que je connais relativement bien, ces compétences-là relèvent de compétences du territoire ou des provinces, en fait, et donc c'est en dehors du champ de compétences du ministère des Outre-mer ou du ministère de l'Agriculture français, en fait. Donc, c'est vraiment pour des raisons plutôt d'ordre institutionnel que ces territoires, dans un premier temps, en tout cas, n'ont pas été inclus. D'un point de vue scientifique, j'aurais envie de dire, il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, on a en tête de pouvoir étendre, en fait, le périmètre de ce travail-là, notamment à la Nouvelle-Calédonie, parce que pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet sur lequel
Les collègues sur place, je pense en particulier à des collègues de l'Institut agronomique néo-calédonien, travaillent sur ces sujets-là, qui a aussi une demande de la part des collectivités locales, de la Chambre d'agriculture, sur ces thématiques-là. Donc, voilà, ça serait tout à fait pertinent en fait d'y travailler, mais voilà, pour des raisons purement institutionnelles, à ce jour, le périmètre n'a pas été étendu à ces territoires. Sur la deuxième question, concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur un point de mesure de carbone du sol? Ce que l'on va faire, ça va être de prélever en fait ce qu'on va appeler une carotte de sol, donc c'est-à-dire un cylindre de sol d'un volume donné. Pour une profondeur de sol donnée. Et cet échantillon de sol va être emmené au laboratoire ensuite. Au laboratoire, on va prélever quelques grammes, quelques milligrammes de ce sol-là. On va utiliser une machine pour mesurer en fait la teneur en carbone dans ce sol. On va également au laboratoire mesurer ce qu'on appelle la densité apparente du sol, c'est-à-dire grosso modo, la masse volumique de ce sol, quelle est la masse de ce cylindre de sol rapportée à son volume. Et on va également quantifier, mesurer la masse de ce qu'on appelle des éléments grossiers. Des éléments grossiers, c'est des éléments de plus de 2 mm. Donc, pour dire ça de manière rapide, on va dire que ça va être tous les petits cailloux, tous les graviers qu'il va y avoir dans ce sol. Qui ne vont pas contenir de carbone. Et voilà, à partir de ces trois paramètres-là, donc la teneur en carbone, mesurée avec un appareil, la masse volumique, la teneur en gravier, et connaissant également la hauteur de ce cylindre, on va pouvoir calculer en fait un stock de carbone dans le sol. Et en multipliant comme ça ces points de mesure, on va pouvoir, à l'échelle d'un territoire, d'un espace, en fait, évaluer le stock de carbone en fait, sur toute une surface d'un territoire donné. En fait. Merci beaucoup, c'est très clair. On voit bien. Alors, je vais relayer deux questions posées par Anne. Je vais les poser l'une à la suite de l'autre. La première, c'est pourquoi est-ce que les sols de La Réunion ont-ils des chiffres de stockage de carbone aussi importants par rapport aux autres territoires? À quelle particularité est-ce que cela est dû? Et deuxième question, c'est vrai que tu l'as suggéré, mais pas, c'était à la fin. Pourquoi est-ce que les stocks de carbone, donc on comprend bien que le risque, et ce qu'on observe, c'est une tendance à la diminution du stock de carbone dans les outre-mer. Et un peu contrairement à la métropole, est-ce que ça veut dire qu'en métropole, est-ce que ça augmente ces stocks ou comment est-ce que tu pourrais clarifier tout ça, s'il te plaît? Oui. Alors déjà, sur la pourquoi des chiffres si élevés à La Réunion? La raison principale tient dans la nature des sols, en fait, à La Réunion. Donc La Réunion, on a un volcan qui est relativement jeune, en tout cas, comparativement au volcan des Antilles. Et manifestement, ça a un impact sur la minéralogie en fait, des sols qu'on va trouver à La Réunion. On va avoir ce qu'on appelle donc des endosols, mais qu'on trouve aussi, on trouve ce type de sol-là également aux Antilles. On va avoir des endosols qui ont en fait des structures nanométriques qui sont des super pièges à matière organique en fait. De fait de cette structure minéralogique très particulière. Et donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'à La Réunion, on a aussi un très fort gradient altitudinal et également des niveaux de pluviosité très élevés, en fait, sur certains versants, en tout cas, de l'île de La Réunion. Donc, cette combinaison de altitude élevée qui induit donc une température plus froide et donc une vitesse de minéralisation de la matière organique, donc une perte de carbone, de carbone organique plus faible, parce que température plus faible, donc vitesse de minéralisation plus faible, va faire que finalement, on a le cocktail un peu parfait pour avoir des stocks de carbone qui vont être très élevés.
Et ces stocks de carbone très élevés, on va les trouver particulièrement dans les zones de prairies, mais aussi dans les zones de canne à sucre qui vont être en altitude, parce que en fait, et les prairies et la culture de la canne à sucre en fait, induisent des apports de matière organique continuels et très importants en fait. Donc, on a vraiment le cocktail de tout ce qu'il faut pour avoir des stocks élevés. Donc, des apports de matière organique importants, d'une part, une structure de sol qui a une aptitude à, je dirais, éponger, capter énormément de carbone. Et puis, également, une température faible, donc une vitesse de minéralisation de cette matière organique qui va être faible. Donc, tout ça fait qu'au final, on a en fait des stocks qui sont très élevés, au-delà de 200 tonnes de carbone à l'hectare. Et ces conditions-là, on va les retrouver peut-être plus ponctuellement aux Antilles. Voilà, mais pas avec... pas avec la même combinaison, on va dire, bénéfique pour avoir des stocks si élevés. La deuxième question qui avait... Peut-être, Julien, juste parce qu'on est dans les caractéristiques de certains territoires, quelque chose sur la Guadeloupe qui surprend, et Jocelyne pose la question, on voit qu'il y a plein de points de mesure en Guadeloupe, mais le calcul n'a pas été fait. Enfin, quel est le problème pour ne pas arriver à quantifier à l'échelle de la Guadeloupe ce stock de carbone? Alors... je ne pense pas dire de bêtises en disant qu'il n'y a aucune difficulté à quantifier à l'échelle de l'ensemble de la Guadeloupe, si on voulait le faire. C'est juste que les travaux qui se sont intéressés à évaluer ponctuellement les stocks de carbone dans les sols n'avaient pas comme objectif d'évaluer à l'échelle de l'ensemble du territoire ces stocks. D'accord. Mais il n'y a pas de difficulté particulière normalement pour pouvoir les évaluer en fait à l'échelle de la Guadeloupe. On peut imaginer que ce sera fait dans les prochaines années. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, c'est juste que la demande sans doute n'avait pas été faite et donc ça n'a jamais été calculé. Voilà. À l'échelle de la France métropolitaine, on est sur quelle tendance de stockage de carbone? Augmentation? Alors, faut distinguer suivant les usages des terres. Si on prend le cas des forêts, qui représentent quand même quasiment un tiers du territoire métropolitain, sur les forêts, on a une tendance à l'augmentation en fait, des stocks de carbone dans les sols. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qui est de quelques pour mille en tout cas par an, au-delà des 4 pour mille par an. Ça, c'est ce qui a été mis en évidence par les collègues qui ont réalisé ce qui s'appelle l'étude 4 pour 1000 métropoles en 2019, les collègues d'INRAE. Ça, c'est pour les forêts. Pour ce qui est des zones cultivées, des zones agricoles, on a globalement, de toute façon, je dirais, à l'échelle de l'ensemble du territoire métropolitain, du fait de l'intensification de l'agriculture, il y a eu un déstockage, en fait, plutôt important du carbone dans les sols en fait. Donc comme on est plutôt en bas, j'aurais envie de dire, la tendance aujourd'hui, c'est soit de rester en bas, soit d'adopter des pratiques qui vont permettre une augmentation. Donc il y a certains territoires, on est encore dans une dynamique de baisse, mais alors je pense des territoires je ne pense pas dire de bêtises, mais des grandes zones céréalières, en fait, dans le bassin parisien, etc., où là, a priori, on est avec des stocks qui ont fortement baissé et qui doivent être encore dans une tendance à la baisse. Mais on est grosso modo, en tout cas, plutôt sur une... plutôt en bas, en fait, de la courbe de ces stocks de carbone. Donc, on est forcément plus dans une situation à être en mesure d'augmenter ces stocks que l'inverse. Voilà, mais on est, encore une fois, il y a eu un déstockage très important en fait sur en gros le siècle dernier sur l'agriculture en métropole. Bon, c'est un peu une grosse généralité. Il y a évidemment des variations suivant les régions, suivant le type d'agriculture, parce que comme on disait, les prairies permanentes permettent d'avoir des stocks très élevés, donc évidemment des zones d'élevage plutôt extensives avec de la polyculture élevage, là on va avoir des stocks qui sont encore plutôt élevés et qui se sont maintenus, mais dans les zones de production plutôt intensives, voilà, on a eu une baisse importante.
Alors là, il y a des questions qui arrivent et je pense qu'elles ont des points communs. C'est cette fois-ci les changements de pratique des sols. Ça pose beaucoup de questions, notamment, il semble que les résultats mettent en avant un bon stockage de carbone par les cultures, je ne sais pas, la banane ou de la canne, par exemple. Or, la tendance est de promouvoir la dynamique d'auto-alimentation de ces territoires, avec peut-être du maraîchage qui lui est moins favorable. Là, on est dans des arbitrages, dans des trucs à concilier. Comment tu vois tout ça? Alors, c'est exactement ce qui nous a interpellés, évidemment, avec les résultats de ce travail. Et c'est exactement ce que l'on essaie d'explorer là dans la partie qu'on mène actuellement sur les politiques publiques, la dimension socio-économique, en fait. Parce qu'on a l'impression, enfin, et ce n'est pas qu'une impression, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'injonction contradictoire entre d'un côté pour la résilience vis-à-vis du changement climatique de ces territoires, maintenir des stocks de carbone dans les sols élevés est bénéfique pour l'agriculture. Sauf qu'effectivement, on peut penser que ça va en contradiction avec un objectif d'augmentation d'une production locale pour aller vers davantage d'autonomie alimentaire. Donc il y a clairement en tout cas une contradiction entre les deux. Quels sont les... Et donc c'est ça qu'on veut nous essayer de documenter en analysant les politiques publiques existantes. Alors, on se focalise sur la Guadeloupe, en fait, hein, nous, dans ce travail-là, sur cette partie d'analyse des politiques publiques. Au-delà du fait de dire qu'il y a ces contradictions-là, notre travail il n'est pas suffisamment avancé, je dirais, pour pouvoir dire quelles seraient les pistes à explorer ou les solutions qu'il pourrait explorer. Une qui me vient en tête, c'est tout ce qui relèverait de l'association de culture, en fait, et donc d'essayer de jouer sur cette diversification des cultures et sur la complémentarité des différentes espèces au sein d'une même parcelle agricole, en fait. En gros, pour faire en sorte que lorsqu'on fait du maraîchage, effectivement, ça déstocke moins qu'actuellement. Donc, par exemple, en incluant des espèces ligneuses, des légumineuses qui vont séquestrer de l'azote. Évidemment, réfléchir à comment parvenir à réduire le travail du sol. Mais il y a plus d'interrogations que de réponses, en fait, très clairement. Bon, en même temps, c'est un peu aussi, nous, l'un des objectifs, hein, du travail que l'on mène, hein, c'est de pointer là où il y a des déficits de connaissances, là où il y a des questions qu'il faut se poser et qu'il faut aborder pour apporter à l'avenir des éléments de réponse, en fait, qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on attend avec impatience, compte tenu de tous les sujets qu'il abordera, ce prochain rapport. Qui est prévu pour quand, justement, tous les aspects politiques, économiques, sociaux, bien sûr. Oui, alors le travail que l'on mène se clôturera normalement à la fin du premier trimestre 2023. Mmh. Et donc ce sera la fin de cette étude. On espère qu'il y aura une suite, hein, parce que comme on a vu, il y a quand même beaucoup de manque d'informations. Et donc c'est à ce moment-là que les résultats sur la partie politique, socio-économique seront présentés. D'accord. Une autre question posée par Mélissa, alors elle touche la question de la forêt, ça me permet de poser cette question, Julien. Tu disais, il me semble que la forêt était le type d'écosystème dans lequel il y avait le meilleur stockage de carbone dans le sol, est-ce que si c'est bien ça? Et d'un autre côté, il me semble que dans le rapport, mais tu le disais tout à l'heure, que le passage à la prairie était toujours quelque chose de positif. Est-ce que ça veut dire que le passage forêt-prairie est positif du point de vue du carbone dans le sol? Ou là, je ne comprends pas bien. Oui. Alors, donc effectivement, en tout cas, encore une fois, pour les données dont on dispose, mais on trouve ça ailleurs dans la littérature, c'est que les stocks de carbone sous forêt sont généralement les plus élevés comparativement à d'autres modes d'usage. Le seul mode d'usage qui peut avoir des stocks comparables, effectivement, ça va être, enfin quasiment comparables, ça va être des prairies permanentes. On va avoir en fait une végétation herbacée qui est là en permanence
voilà, et qui va de fait en fait générer des apports de carbone dans le sol. Et donc de manière générale, oui, quand on a des forêts, surtout quand elles sont installées depuis longtemps, on va avoir des stocks de carbone dans les sols qui vont être plus élevés que pour d'autres modes d'usage. Conversion forêt vers prairie, quel effet? Il y a des travaux qui ont été menés en Guyane par des collègues du CIRAD et d'INRAE qui ont mis en évidence qu'en fait, lorsqu'on avait cette conversion-là, avec des prairies qui sont des prairies permanentes, et pour lesquelles, lorsqu'il y a eu ce défrichage en fait, de la forêt, il n'y a pas eu brûlage de la végétation, de la biomasse, le résultat aboutit au fait qu'en fait, on retrouve, après à peu près 25 ans, des stocks de carbone dans les sols sous prairies tout à fait comparables et au-delà de 25 ans supérieurs à ce que l'on va trouver dans les sols sous forêt. Donc ça paraît surprenant, mais c'est le résultat qu'ils ont mis en évidence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que, alors évidemment, convertir de la forêt vers de la prairie, on perd énormément en termes de stock de carbone parce qu'on perd tout le carbone qui était présent dans la biomasse des arbres. Donc ça, c'est perdu. Et c'est perdu de manière définitive. Donc, ça a un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, évidemment négatif. Par contre, si on se focalise que sur le compartiment carbone du sol, voilà, ça met en évidence, en tout cas, que les prairies peuvent jouer un rôle important, effectivement, en termes de stockage de carbone dans les sols et sur du moyen-long terme, puisque là, on parle au-delà de 25 ans. Pourquoi on observe ça? Alors, il y a plusieurs hypothèses en fait, qui sont soulevées. La première, c'est que les apports de carbone en fait, demeurent importants parce qu'on a cette végétation herbacée qui est permanente, qui va avoir un enracinement qui va être particulièrement profond et une densité également de racines qui sera sans doute plus importante que ce qu'elle n'est sous les forêts. Ce que les collègues ont mis en évidence, c'est qu'a priori, en fait, cette différence cette augmentation en fait, de stockage de carbone dans les sols sous prairies au fur et à mesure du temps vient précisément des horizons profonds, donc c'est-à-dire au-delà de 1 mètre de profondeur. En fait. C'est là qu'il se passe des choses où il y a une augmentation en fait, des stocks de carbone dans les sols dans ces horizons profonds. Et en particulier comparativement à ce qui se passe sous les sols forestiers. Julien, je vais te poser une dernière question parce qu'on va bientôt devoir arrêter ce direct et il n'y a plus de nouvelles questions dans le fil de discussion, mais est-ce qu'à terme, on va pouvoir et on pourrait imaginer rémunérer les agriculteurs ou les propriétaires forestiers au regard de leurs pratiques d'occupation du sol et donc au regard de leurs pratiques susceptibles d'accroître la quantité de carbone dans les sols, un peu sur le modèle des paiements pour services environnementaux. Est-ce qu'on en parle? Où est-ce qu'on en est de ces questions-là? Alors oui, on en parle. Alors on en parle beaucoup en métropole. Et on commence aussi à en parler dans les territoires ultramarins. En métropole, vous savez sans doute qu'il y a notamment un label qui s'appelle le label bas carbone, qui a été mis en place par le ministère en charge de l'écologie, qui permet précisément de rémunérer les agriculteurs, mais aussi les forestiers, pour ce stockage de carbone à travers leurs pratiques. Et pour ce qui est de l'agriculture, en tout cas des grandes cultures, le stockage de carbone dans les sols fait partie du périmètre de ce qui est proposé dans le label bas carbone. Actuellement, dans les territoires ultramarins français, ces méthodologies proposées par le label bas carbone en fait, ne sont pas applicables pour différentes raisons, mais en tout cas, notamment pour des raisons oui, d'ordre, comme je disais, d'ordre méthodologique. Dans le cadre de cette étude, nous, on travaille précisément aux possibilités d'adaptation, en tout cas d'une méthodologie proposée par le label bas carbone pour ce qui est des grandes cultures, voir comment, quelles seraient les conditions pour qu'elles soient applicables, pour qu'effectivement, à terme, les agriculteurs, les forestiers puissent, au même titre que les agriculteurs et les forestiers en métropole, bénéficier de ce type de rémunération additionnelle, on pourrait dire, pour des pratiques
qui ont un effet positif, en tout cas, sur la gestion des stocks de carbone dans les sols. Donc, ça fait partie des choses qui sont à l'étude actuellement, pour lesquelles, en tout cas, pour ce que l'on sait, il y a une certaine sensibilité aussi des acteurs dans les territoires ultramarins. Je sais par exemple que l'ONF, dans les territoires ultramarins, travaille aux possibilités d'adaptation des méthodologies du label bas carbone forestière pour dans les différents territoires ultramarins où ils assurent la gestion des forêts publiques ou départementales. Voilà. Donc oui, ça fait partie des perspectives très clairement. Oui. Écoute, c'est la fin de ce direct. Peut-être un mot pour terminer, Julien, avant de conclure. Eh bien, écoutez, un mot pour vous remercier pour votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas, vous avez mon contact mail s'il y a des questions. Je vous invite encore une fois aussi à visiter le site internet où il y a plus d'informations. Et puis, j'espère à bientôt pour les conclusions finales, en tout cas, de ce premier travail que l'on mène sur les différents territoires ultramarins, en espérant qu'il y en aura d'autres, et notamment qui concerneront la Calédonie et la Polynésie française, pourquoi pas. Merci encore, et merci pour cette invitation, Vincent. Eh bien, merci, Julien, pour ce temps d'échange, ta disponibilité, bien sûr. Bien, c'est donc la fin de ce premier direct. Oui, c'était le premier pour ce MOOC. Nous allons faire et je vais faire le maximum en sollicitant les différents intervenants pour vous proposer de nouveaux rendez-vous pour parler de développement durable, de transition écologique. Et donc, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur le MOOC ou à l'occasion d'un prochain direct. Au revoir, Julien. Merci encore. Au revoir, bonne fin de journée. Merci.